rare que nous avons cet effectif-là au niveau des arbitres. Donc, comme l'occasion s'est présentée pendant ce tournoi-là, des jeunes, et que nous avons presque la majeure partie des arbitres, et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative de partager nos expériences et nos savoirs. Tout ce que vous venez de voir ici-là, c'est ça ce qui se fait au niveau de haut niveau. Donc, en tant qu'arbitre, par modestie, en tant qu'arbitre international et en tant qu'aîné aussi, à chaque fois que besoin est là, donc je partage avec mes jeunes arbitres, mes jeunes frères. Donc tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est de la mécanique d'arbitrage. Donc c'était, vous voyez, le déplacement de l'arbitre de tête, le déplacement de l'arbitre de centre, le déplacement de l'arbitre de queue, etc. etc. Donc pour arbitrer à trois, donc des fois c'est difficile, n'est-ce pas? Donc les arbitres sont sur le terrain, il y a des failles, mais c'est seulement les arbitres, nous qui sommes arbitres, qui le voyons. Donc c'est ça, c'est le but de ça, c'est la formation continue. Vous avez, bon, pendant toute l'année, on faisait de la pratique pendant le mardi. J'étais là avec Petit Durand Diop, j'étais là avec Assoudavo et avec la présidente Aïssa Pindiaye. Mais ça, c'est une formation continue. Non, moi je suis surpris hein, et je suis séduit. Donc vraiment, il y a de bonnes graines dans ce groupe-là. Et je sais que, par modestie, je sais qu'il y a des futurs arbitres internationaux ici. Donc, Alhamdulillah, donc, je crois que les Edouard, les Ablaï, moi-même qui vous parle, je sais que bon, dans quelques années, nous allons raccrocher. Et je sais que là, donc, parmi ces jeunes-là, il y a la relève. Vous savez que récemment, il y a de nouveaux changements dans le règlement. Donc, normalement, ces changements-là seront en vigueur au mois à partir du 2 octobre 2018. Donc, forcément, il y aura donc une autre formation. Mais là, on ne peut pas anticiper. Donc cette formation, on veut le faire avec les arbitres et aussi avec les entraîneurs. Et surtout, on veut demander aussi à la fédération au moins d'animer cette formation-là. Donc comme ça, tout le monde va y gagner.